Salut tout le monde, on se retrouve sur KSP en ma compagnie, c'est-à-dire Tiamalo. Mais c'est pas un KSP comme tous les autres, parce qu'en fait, le truc c'est que avec un autre YouTuber qui s'appelle Is Fred, vous allez pouvoir trouver son lien dans ma description. On a décidé de se faire une petite COP. Oui, une COP. Alors, quel est le principe de la COP? C'est simple. Je vais. Nous allons. C'est dur de parler voilà. Donc nous allons chacun se passer la sauvegarde du jeu. C'est-à-dire que là, je vais commencer à faire le mode carrière avec vous. Ensuite, je vais passer la sauvegarde à mon ami Fred pour qu'il continue cette aventure. Mais de l'autre côté, donc comme ça, vous allez pouvoir échanger de chaînes, comme ça, toc toc toc, pouvoir aller parler aux viewers de Fred. Et ceux de Fred vont pouvoir venir vous parler sur mes vidéos. Enfin, je sais pas si c'est très clair. Enfin bref, donc le but, c'est qu'on va recommencer une carrière à zéro. Mais une carrière partout comme les autres, parce que c'est en cop comme je viens d'expliquer. Donc en mode carrière, vraiment tout, 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 même la base. Plus rien. Que dalle, nada, niente, il va falloir même... améliorer la base. On va essayer de faire des vidéos qui ne durent pas plus de 20 minutes, histoire de... Enfin, que ça barre pas, quoi. Enfin, et puis... Bref. Je crois que j'ai tout dit. De toute façon, dans l'épisode 2, Monsieur Fred rajoutera des choses que j'ai oubliées. Donc c'est parti, on va se lancer. Donc, start game. Je répète que bien sûr, mon mode carrière solo... Continue, hein. Enfin, et pareil pour Fred, hein, c'est en mode solo, continue. C'est pas parce qu'on se met à deux qu'on arrête de faire nos trucs sur notre chaîne. Vous inquiétez pas. Donc, start new. Merde, non, j'ai déjà créé en fait la sauvegarde. Donc, voilà, on l'a appelé Cop Chama Fred. Ça vous va? Moi, ça me va. Donc, c'est parti. Donc, on peut voir une belle base. Je vais abaisser un peu mon micro parce que c'est un peu con sur la caméra. Donc, on peut voir une belle base. Avec des grands bâtiments. Donc voilà. Ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va aller regarder l'émission comme je venais de faire. Launch a new vessel. Donc là, il faut lancer un nouveau vaisseau. Vous êtes d'accord, hein, les copains? Donc, ouh, je la prends. Donc là, il faut aller à une altitude de 5000 mètres. Je prends 6. Escape the atmosphere. Bah là, je peux pas le prendre. Orbite autour de carbine. Ça et ça, je pense que on verra si j'ai le temps de les faire. Donc c'est parti, top chrono, ça fait déjà 3 minutes de vidéo. Wow. 62 000. Ok. Donc c'est parti. Donc là, ce qu'il faut nous faire faire, c'est quoi ça? Launch a new vessel. Donc un vaisseau et un vaisseau qui va à plus de 5000 mètres, ça serait bien. Donc de base, on prend ce pod. On va prendre alors je sais même plus ce que j'ai. J'ai le truc de make job, c'est bizarre. Pourtant je l'ai viré. On va mettre tuck. On va mettre des antennes. Pour l'instant vous allez voir la construction des fusées, mais plus tard je pense que les vidéos seront trop longues, donc du coup on va couper la construction, enfin on verra un peu comment ça va se passer. De toute façon, on va rester nous-mêmes, comme a dit Fred. On va pas se changer. Tac. C'est parti. Bah écoutez, je vais faire ma fusée de base, hein. 2, 3, c'est 5000. 4, je pense que 5 ça suffira. Le souci, c'est que j'ai pas. Ça, c'est un peu gênant en fait. Bon, on va commencer par jeter un vaisseau. Et après, on fera le 5000 mètres. Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai pas du tout de quoi atterrir et ça va tout faire péter. Donc, du coup, on va faire voler un vaisseau. 5000 mètres, je suis sûr que j'arriverai à les atteindre avec ça. Ou deux, peut-être. Bon, on va laisser comme ça. Parce qu'en fait, j'ai pas de découpleur. Du coup, j'ai l'air un peu con pour atterrir. Ah non, j'ai rien. Ok. Bah écoutez, on va commencer avec ça. Donc là, le but, c'est juste de le faire voler. Donc c'est parti, on va faire voler le vaisseau. Mais oui.
Donc, est-ce que c'est un pilote? Oui, c'est un pilote. Donc, bah écoutez, c'est parti. Pourquoi j'ai celle-là? Ça a changé, non? C'est moi qui ai. Bah non, je comprends plus rien. Il y a des trucs qui ont bougé. À mon avis, c'est parce que. Bon, bref. Donc, c'est parti. Donc, on met le gaz à fond et. Heureusement que je le vois. Sinon, ça l'activait direct le. Ce serait dommage de commencer avec un mort sur la conscience. Donc c'est parti dans 3, 2, 1. Et voilà, j'ai rempli ma première mission. Est-ce que je vais réussir à aller à 5000 mètres? Ça serait marrant parce que j'y arrive. Mais ça m'étonnerait grandement, chers amis. Pourquoi tu tournes? SAS, mec. Wesh. Boum! Ah, quoique, je vais peut-être y arriver. Roulement de tambour, s'il vous plaît. J'ai réussi. Donc c'est bon. On va le laisser redescendre tout doucement. Et on va réatterrir. Et si j'arrive à réatterrir pile dessus, ce serait énorme. Ouh. Et redescend. Et on active le parachute. Voilà, c'était juste un petit fly. I believe I can fly. Vous pouvez voir Moon. Donc du coup. On va réatterrir tranquillement et détendu. Et ensuite, on va se concentrer sur l'orbite. Non, quitter l'atmosphère de carbine. Déjà, je crois que c'est ça d'abord. Ouais. Et ensuite, on partira faire bah, l'orbite si on a le temps. Si on n'a pas le temps, tant pis. Donc là, déjà, ça va me rapporter des. Est-ce que j'ai un mystery go? Je me souviens plus. Tu t'actives, mec? J'ai peur. Hop, j'ai avancé. Normalement, je vais perdre. Je vais pas rater pile dessus. Normalement, je vais perdre. J'espère que ça va pas tout faire péter. Parce que j'ai mis des antennes, mais ça sert à rien. En fait, j'aurais pu faire ça, je suis débile. Crew report. Send. Ça me fait 3. Ouh, pour la vache. C'est bon, c'est juste le moteur qui a explosé. C'est pas grave. Donc voilà, ça c'est fait. Donc on ramène le vaisseau dans le centre et c'est parti pour créer un vaisseau qui va quitter la station. J'ai trouvé réputation. Tuck. Delay. Discord. C'est bon. Donc maintenant. Non, déjà je vais pas aller là. Je vais aller voir si je peux débloquer des. Oups. Mais je reconnais plus les. C'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, est-ce que je peux acheter ça? Oui, je peux l'acheter. Ça m'irait bien. Découpleur et tout ça. Tuck. Et ensuite. C'est 15, je crois. Va. 18, 15. Ouais, non, je peux pas. Hop, déjà, j'ai une nouvelle pièce. Ça va me servir pour quitter l'atmosphère. Je vais prendre. Je vais regarder un peu les missions. Donc, perfume visual surveillance carbine. Tech. J'ai un peu du mal à comprendre l'anglais. Non, c'est pas vrai, je comprends, mais c'est plus chiant à faire en fait. Je pense que ce serait un peu mieux d'aller. Ah, cette altitude record 11 000 mètres. Ça peut être faisable. Tech. Non. Faire de test activateur. Ça c'est pour tester des. Le LVT45 Liquid Fuel Engine. Bah, pour moi je peux le test. Altitude. Speed. Moi il faut que j'aille à 11 000, vous êtes d'accord? Donc ça marche entre ça et ça. Avec une vitesse de ça, entre ça et ça. Flying Carbine. Aïe. Pour moi ça va le faire. Donc on va faire ça. On va aller à 11 000 mètres avec le moteur. Donc déjà, c'est quel moteur? Voir un peu. C'est celui-là. Il est moins puissant que l'autre. Donc, va falloir faire gaffe. Je vais virer ça, je vais en mettre un plus grand.
Ah oui, j'ai découpleur, j'oubliais. Du coup, tac, tac, voilà, ça c'est fait. Je vais mettre ça. Bah écoutez, je vais en mettre deux, je crois. Deux. Deux, je pense que ça sera suffisant, hein. Vous en pensez quoi? Je pense que, ouais. Hein. Allez. Voilà. ouais, ça va le faire. Avec ce moteur. Si ça le fait pas, bah honte à moi. Et je pense qu'il y en a un qui va bien se foutre de ma gueule. bah, pas qu'un en même temps. Plusieurs. Tac, je vais foutre deux mastery. Bam. Ça va être bien. Ouais, ça va être bien. Avec deux antennes qu'on va foutre ici. Même comme ça, je pense. Ouais, c'est beau, hein. Bon. Ah, mais c'est cool, ça. Ouais, mais c'est cool, tout ça. En fait, ça, c'est le truc qu'il m'a dit de prendre. Ok. Bah, écoutez, on va tester comme ça. Save, je donne pas de nom, ça sert à rien. Hein. Lunch, attendez. Tuck. Donc, entre 3000, 11 000. Speed, 450 mètres seconde. Ok, c'est parti. On est motivé, on va réussir ou pas. Tu, 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 tu. Pardon. Donc c'est parti, on active les SAS pour pas bouger et c'est parti mon kiki. Let's go, dans 3, 2, 1. Donc elle part assez vite, je suis déjà à 100 mètres. Donc j'ai déjà deux objectifs de fait. Tac. Donc une altitude entre 3900 et 11700. Je pense que ça va être juste. Bon, on verra, hein. Mais 11 000, ça fait haut en fait, hein. J'ai ma vitesse qui est toujours en dessous de 3 de 450 mètres seconde. Ça y est. Altitude, c'est bon. Par contre, la deuxième, c'est pas bon. Je suis pas encore à 11 000. Bientôt, d'ailleurs. Est-ce que je couperai pas maintenant les moteurs? Faut que j'ai une vitesse de 450 mètres seconde, ça serait bien. Tuck. Pourquoi ça marche pas? Bon les mecs, j'ai réussi la première mission. Par contre, ce que je comprends pas, c'est ça. Pourquoi ça a pas marché? Alors, il faut que je réfléchisse. Test. Carabine. Ouais. Carabine flying. Altitude 3000. Ah non, je viens de comprendre en fait. Ce moteur-là, il fallait juste l'activer. L'activer. Comment dire? L'activer entre 3900 mètres d'altitude et 11700 mètres. Avec une vitesse de 450 mètres secondes et 850 mètres secondes. J'ai. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était. J'ai fait n'importe quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser un peu avec le restant du fuel. Tuck. Et on va faire un petit crew reports. Puck. Tech. Comme ça, je vais atterrir dans l'eau. Je pourrais prendre du data d'eau. Voilà, nickel. On va avancer. Poupiloup. On va découpler d'abord. Puck. Et c'est parti. On va faire le mystery go. On va keep. J'ai peur que ça. Celui-là, on va l'envoyer. Ok, nickel. On va se remettre dans l'axe. Ça serait sympa. Je peux pas. Ok, j'ai plus d'électricité en fait. Ok, bah on laisse à la dérive, hein, les amis.
tout ça va se mettre tout automatiquement. Voilà. Et on va activer le parachute. Mais regardez. Par contre, l'altitude, ça va pas fonctionner. Ah si! Regardez, ça marche. Ah non, ça marche plus. Je comprends plus rien. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? J'ai pas compris. Ok, bon, c'est pas grave. Peut-être que je suis pas habitué à ces quêtes-là, moi. Je préfère des grosses quêtes, genre voilà, atteindre telle hauteur, faire tel machin, tout ça. Parce que là, je comprends pas tester les. Ouais, bah là, je les ai testés, mais ça a pas fonctionné. Bon, attention, contact bientôt. Je vais arrêter parce que ça va peut-être laguer. Ça va peut-être. Voilà. Nickel. Et maintenant, on attend qu'il se scratche dans l'eau comme une grosse. Voilà. Et je pense, les amis, que je vais vous laisser là. Et j'espère que cet épisode 1 vous aura plu. L'épisode 2 sera donc Fred qui va le faire. Et puis vous allez voir, il est sympa, il est pas gentil, il a juste une grosse voix, mais... Ouais, j'ai un petit plongeon. Bref. Allez, on rentre. Ouais, c'est le plugging, pour ceux qui connaissent pas, c'est KSP Player. Donc moi j'aime bien, ça fait des petites quêtes aussi. Enfin, c'est des petits succès, c'est marrant. J'ai 23 de science. Bon, monsieur... monsieur Fred, je vais acheter à ta place, parce que en même temps, c'est mes points. Donc c'est parti. Qu'est-ce que je vais bien te beauvoir à t'acheter pour que ça te facilite un peu plus la tâche? Non, ça c'est pour les avions. Coucou, le découpleur comme ça peut être sympa. Ça c'est pas pour tout de suite. Je vais t'acheter un nouveau moteur, je pense. Et les séparatrons là, les séparatrons, les machins, et puis les allumettes. Ça te va? Bah, même si ça te va pas, je m'en fous. Tuck. Ben voilà. Donc les amis. Je vous laisse maintenant, et ça fait exactement une vidéo de 17 minutes et 27 secondes maintenant. Et je vous dis à très bientôt, et tchouk tchouk tchouk, couvrez-vous surtout.